Vous êtes sur Info Live TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Le général iranien Mahmoud Chaharbagi, au commandant des gardiens de la Révolution, a déclaré que l'Iran était prêt à tirer 11 000 roquettes sur des bases ennemies en cas d'attaque. L'Iran serait capable de tirer 11 000 roquettes sur des bases ennemies dès la première minute qui suivrait une éventuelle attaque, a averti samedi le haut commandant des gardiens de la Révolution, selon la télévision d'État. Les bases et les positions ennemies ont été identifiées. Les forces terrestres des gardiens tirent 11 000 roquettes sur des positions ennemies dans la minute, suivant toute agression contre le territoire iranien, a déclaré le général. Et puis Israël a apparemment obtenu d'une taupe des clichés détaillés d'un complexe syrien qui ont renforcé sa conviction du caractère nucléaire des installations et l'ont amené à déclencher un raid le mois dernier, a rapporté la chaîne de télévision ABC. Selon un haut responsable américain cité par la chaîne, la taupe a fourni plusieurs photos du complexe prises du sol et Israël les a montrées à la CIA. L'agence américaine aurait participé à la délimitation des points d'impact en cas de raid. Paris s'engage pour la libération des soldats israéliens en captivité. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, ainsi que des membres de l'association Siona, ont dévoilé vendredi dans le parc Rabin, dans le 12e arrondissement de Paris, des photos géantes des soldats israéliens détenus par le Hamas et le Hezbollah. Des portraits géants de Gilad Shalit, d'Ehud Goldwasser, d'Eldad Regev seront dévoilés dans le parc et demeureront accrochés jusqu'à leur libération, a déclaré Roger Pinto, président de l'association Siona. Poursuivons avec la tournée d'Ehud Olmert en Europe. Après la Russie, le Premier ministre va se rendre en France dans le but de rencontrer le président Sarkozy, et ce avant de se rendre en Grande-Bretagne. Le but de cette tournée, rappelons-le, est de convaincre les démocraties européennes de rallier une position plus ferme à l'égard de l'Iran, qui poursuit en toute impunité son programme de développement nucléaire. Et puis suite à l'annonce de la création d'un partenariat militaire entre Washington et Beyrouth, le Hezbollah a accusé la majorité de vouloir placer le Liban sous tutelle américano-sioniste, affirmant qu'il restera dans la position souverainiste indépendante pour protéger le pays. Fin de citation. Dans un communiqué qu'il fait paraître hier, le bloc parlementaire du Hezbollah a accusé la majorité libanaise de refuser toutes les démarches et les initiatives susceptibles de préserver l'unité du Liban et de sauvegarder les règles constitutionnelles en vigueur. Enfin, selon nos confrères du World Tribune, l'état de santé du président égyptien sera en régression. Le raïs du Caire souffre depuis quelques mois d'une longue maladie, sans pour autant en informer l'opinion publique. Rappelons qu'il y a quelques mois, son épouse avait été invitée à rassurer le public quant à l'état de santé de son époux. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.